Jeudi 29 février 2024, bonjour, bonsoir Haïti, tous les amis compatriotes, tous les accès collaborateurs qui connectent nous dans tous les 10 départements pays. Bonjour, bonsoir à la diaspora, toutes les fans inconditionnels et qui suivent nous tout partout dans le monde. Là. Bonjour, bonsoir fanatiques, bonjour, bonsoir internautes et tous les fidèles branchés, plateforme ça, moins content. Ensemble avec aussi ou la caillou, notre travail dans la rue, quel que soit à côté ou à suivre, Chanel ça, moi salue ou. C'est yon kokenchen plaisir qui m'a connu en de Fouquem pour me rentrer la caillou, pour nous partager avec vous toutes nouvelles et toutes informations qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti, coup à l'étranger. Dans mes quoi serviteurs, zami ou merci Dieu, toute équipe là à la ronde déjà mobilisée. Nous portons pour le journal Mega Matin, Mega c'est Pigo Réseau Radio Haïtien qui est sous la Tébéni avec staff nouvelle là, formation yo sous pays d'Haïti. Repetit, Radio Mega, Pigo Radio, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin, premier journal Radio Mega qui passe sur le réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Jeudi 29 février 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le quatrième paraître journal là. Marcel Joseph, c'est lui-même qui a viré Boutoyo. Moi-même, Jean-William Sévère, qui a Daniel. Nous là pour nous capables pour toutes les informations. Amico, bonjour, monsieur. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sous Mega. Premier ministre Ariel Henry prend engagement pour organiser élection dans le pays en 31 d'août 2025 selon le Premier ministre Bahamas. Là, Miami ira révéler toute communauté internationale après les DPM n'a atteint objectif ça. Gagné un président brésilien Lula da Silva mandé international agir rapide pour soulager souffrance citoyens haïtiens dans le discours devant CARICOM à Yamakodia et reconnaître un pays à Pakatan. Ancien député Abel Colin critiqué traînait un pied international là dans quatre dossiers. Déploiement force multinationale là, ancien parlementaire dit qu'il y a gros doute international là pour faire ramasser quantité l'argent qui est nécessaire pour force là. Un constat où gagné, Pape François a lancé appel à fidèles catholiques pour prier pour peuple haïtien qui a fait souffrir, il a attiré attention sous la violence qui a continué dans le pays. Il y a un gouvernement haïtien qui a lancé un plan réponse humanitaire qui a coûté 674 millions de dollars. L'objectif pour ici sauver 3,6 millions de monde en cap mourant bas dans le pays. Et après, il a fini de déposer une plainte dans l'IGPN. Il y a mercredi, avocat journaliste Jean-Jean Mac dépose une plainte dans le paquet contre les policiers. Mais il souhaite qu'il y ait été offert un des doyens. Mais on juge sous dossier ça précis. Un dossier direct qui est actualité en chimiste France Cano mandé un ministère de santé publique prend disposition pour aider les citoyens retirer arsenic et calcium qui n'en saillent après au fin de consommer direct poison saillant. Le bureau avocat international a critiqué silence un ministère commerce sous dossier ça. Maître Mario Joseph mandé camper sous importation d'Iria dans le pays. Jocelyn Dor condamné hier mercredi pour le passé 60 mois en prison parce qu'elle t'a participé dans vos armes et munitions en Haïti pour gang 400 Maozo, résident en Floride, là, t'es risqué pour enlever l'année de prison après t'es fini plaidé coupable dans le mois octobre passé. Le gouvernement haïtien en discussion avec l'État vénézuélien pour joindre une bonne formule pour finir payer et dette pétro-caribéen. C'est pour ça que diverses autres qui prennent le fait essentiel journal là, jeudi en zami auditeur, mais pas bien après pour traverser avec vous. Nous apprenons combien de gouttes besoin pour capabation dollar américain. N'a pas pour nous porter pour week à capsule satirée de Brasson. Attendant, nous joignons collaborateurs, nos amis auditeurs, pour capable dire est-ce que le possible pour traverser ça difficulté. Nous avons vu avec information dans le journal là.
et puisque nous connaissons toujours prêt le soin pour capable connaître s'il possible pour capable traverser sans difficulté. Nous venons avec assistance autorité haïtienne demandé avec communauté internationale là pour capable aider des séries de monde qui n'ont un grand goût connaît diverses raisons à question et sécurité à qui gagne conséquence sous prix sous économie et puis après ça l'autre problème encore à qui la cause a pris produit pour bien nécessité à augmenter ça qui mettait plus moun nan difficulté pour capable joindre ti mosso la manjaï en nous venir avec information ça pour amis auditeurs a gagné besoin assistance humanitaire pour 3.6 millions haïtiennes pour l'année 2024. La gouvernement haïtien à travers le ministère planification coopération externe et puis communauté humanitaire a lancé mercredi un plan réponse humanitaire pour Haïti, projet ça qui a financé à hauteur 674 millions dollars. On aller dans l'arrière puisque nous connaissons l'émission à l'arrière a priori. Après ça, on est capable de venir avec information. Ça pour dans un journal là, amis auditeurs, on a venu avec un collaborateur nous, Wilson Raymond. Wilson Raymond, bonjour. Qui j'en sais dans notre sud de la capitale là. Bonjour, Jean-Wilson. Il parlait sous question ça, c'est loin d'aller. On a là rapidement ou toujours sur antenne radio Mega puis gros réseau radio haïtien gagné un monde là nous parler avec Canon lui-même qui c'est chimiste qui parlait sur question du riz qui est rentré dans le pays chimiste France Canon qui est spécialisé dans le traitement bactéries lui-même lui parlait sur question ça c'est l'analyse spécialiste là arsenic qui présente un diria capable sortir la manger yo mettez pour empêcher bête manger jardin yo et l'autre possibilité encore métoa qui sortir dans engrais pour permettre d'augmenter la production ou bientôt capable de gagner une grosse industrie chimique qui dans un gros jardin d'Irisa qui est capable de arriver dans l'Iria. L'ité dans le micro Jean-Philippe Massé. C'est ça qui fait que les métaux lourds, c'est le fait que masse volumique est supérieure en pile, est vraiment concentrée. Comme nous dit, c'est lorsque il dépasse 5 grammes par millilitre. Étude d'université Michigan, Téchita recherche Léa. Seulement sous analyse qualitative et quantitative de cadmium et arsenic dans du riz qui soutient le pays États-Unis. Il y a une autre étude qui est capable de plus pousser toujours, par exemple, l'université New York en Haïti qui a fait recherche sur l'autre métaux lourds. Il y a aussi sous pesticides, utilisé sous engrais chimiques, sous éléments pathogènes qui n'ont de l'eau qui alimente les rizières, côté fait du riz. Côté du riz, ça a sorti lui-même dans le pays États-Unis. Kounia, nous allons faire une petite analyse scientifique pour établir des hypothèses d'une éventualité source de cadmium et arsenic, ça y est, qui est dans du riz, ça y est, qui sorti dans le pays États-Unis. Il y a un nombre de quatre. Première hypothèse, c'est présence pesticides. Souvent, pour empêcher rongeurs, par exemple, donc, rat, manger du riz, une culture côté que Ménia fait, yo kon mette des pesticides, et pesticides a ou gen cadmium, yo gen arsenic là dedans. Yo là, yo capable de tuer bête, mais malheureusement, yo kon vin incrusté dans l'air, et plante ça yo même kon vin, donc yo vin contaminé par cadmium là avec arsenic là. Engrais chimique. Pour permettre du riz à pousser et grandir plus vite, ça veut dire que yo kon considéré comme un catalyseur. Donc, en pile cultivateur dans le pays ça yo, pas bien que donc ce système de capitalisation s'est fait plus pour qu'à donc maximiser profit. Il faut mettre des CD engrais là-dedans pour faire manger ça pour c'est plus rapide, mais malheureusement engrais chimiques ça y est, le gain métaux lourd là-dedans. Et troisième hypothèse, c'est possibilité industrie chimique qui est capable de trouver dans la zone. Il y a des industries chimiques qui sont source de métaux lourds, yo. Très souvent, yo entrent dans le sol là. Les ça yo contaminé sous l'eau qui en bas terre, ça veut dire ça l'aurait les nappes phréatiques yo. Et lorsque gain la pluie qui tombait, yo qu'on ruisseler, ça veut dire courir à la surface, yo aller directement
dans rizière côté fait du yo qui vient faire que donc yon récolte est capable contaminer. Et quatrièmement, c'est origine de l'eau de l'alimentation. Pas bien la qualité de l'eau sur le plan qualitatif et quantitatif, il dépend souvent de nature sol. Donc gain sol qui compte calcaire, argileux, rocheux. Donc il convient faire que qualité sol là ou qu'on vient jeune plus métaux l'eau ça là-dedans. Donc le poison des poisons, le fait qu'il n'y a pas les poisons, l'épargne de nettoie, c'est arsené. C'est lui-même qui pire de là, c'est lui-même qui pire danger, c'est lui-même qui bat les problèmes. On va aller dans la rien avant pour nous capable retourner avec chimiste qui a parlé sous question du riz qui importé du riz qui sorti États-Unis qui importé qui d'après une université dans le pays États-Unis qui fait qu'on est libre de maladie cancer sans compter maladie qu'elle non sur côté intervention chimiste là sous ça on a bien pour nous retourner avec lui mais avant on nous retourner dans la rien avec collaborateur nous Jean-Michel Josieu qui pral dit nous est-ce que le possible pour capable traverser zone Kafou 25 Kafou Douya zone 3 mais bonjour Jean-Michel. Comment ça y est sur route nationale numéro 1, précisément comme la cité soleil. Et pour nous dire comment c'est traversé là au niveau du Kajou, mais pour maintenant ce Kajou, nous remarquons qu'il est temps pour citoyens capables de traverser. Et bien, nous capables de dire là. Quand même, bah, nos informations sur quelques zones qui étaient passées matin. Avant nous te prendre Rosemont dans l'Alliance, amis auditeurs, avant nous te prendre Rosemont, nous te permettre au côté intervention France Canon, qui sont chimistes qui spécialisent dans le traitement bactériologique, physico-chimiste, ingénieur en qualité hygiène, réagit sur la enquête Université Michigan, sur l'analyse spécialiste à Cernic, à Cacdium, qui président du RIA, capable sauti dans manger ou mettez pour empêcher bête manger jardin ou l'autre possibilité encore mettez-vous à ka sauti dans engrais pour permettre augmenter production bientôt capable de gros industrie chimique qui dans zone gros jardin d'irio qui capable arriver dans diri moun qui mange diri sa yo dans pays d'Haïti déjà gain mettez-vous sa yo dans sa yo qui exposé toi diverses qualités cancer ak maladie que gain possibilité traitement pour éliminer cadmium dans arsenic là dans sang d'après spécialiste Francis Cano critique compagnie qui a importé diri qui pas fait contrôle qualité sous produit elle souhaitait l'état surtout s'il a prend disposition pour aider victimes yo retirer métaux ça qui dans ça un côté une autre fois France Cano étant donné que gagne un paquet de monde qui mange du sao en Haïti c'est sûr certains absorber cadmium avec arsenic oui il y a une grosse quantité métaux sao qui trouvait les dans sang non les capables d'augmenter le risque pour développer certains cancers, tant que concernant foie, concernant rein, concernant poumon, concernant peau, et les capables même développer des maladies cardiovasculaires, en particulier l'infarctus du myocarde. Oui, l'infarctus du myocarde. Ça arrive que il n'y a pas même été développé, ça n'est capable de les cancer, ça va, parce que c'est pas mal qu'à fait du jour au lendemain. Mais malheureusement, mon handicap est par un arrêt cardiaque, oui, qui est provoqué par arsenic, qui est provoqué par donc cadmium ça, nous qui dans sang. Mais grâce à la chimie, y a mon qui gagne un taux élevé cadmium dans sang, est capable d'éliminer. C'est ça qui fait que je dis souvent, y a un problème qui déjà identifié. L'Iguetan résoudre à moitié. Nous disons, oui, ça qu'a résoudre. Donc, le fait que le monde est avec gain à, donc, une quantité élevée arsenic avec cadmium dans le sang. Maintenant, comment? D'après un médecin qui a bali fait un test dans le sang, qui c'est recherche de métaux lourds dans le sang. Si c'est ça positif, c'est-à-dire, l'Iguetan présence de métaux lourds dans le sang. C'est que pour traitement, il va chélater, c'est-à-dire il va utiliser des molécules chimiques qui prennent fixer métaux lourds pour venir former de nouveaux composés qui inactifs, qui pas dangereux, que quoi il est capable de débarrasser facilement par voie urinaire ou par les selles.
Bien entendu, c'est un protocole traitement qui long. Maintenant, qui en est responsable? C'est que nous disons, compagnie capable de durer normalement en tas de fait, ça nous capable des tests de contrôle de qualité et nous avons assuré tout de assurance qualité. Mais malheureusement, si on pas fait, donc ça a fait que donc il trouve une situation. Ça même pas que son problème donc ça ne capable de santé publique et que l'État donc par le biais du ministère de la santé publique il prend ça en charge pour que yo capable aider monyo oui pour yo capable aider monyo faire un traitement pour yo capable éliminer métolo ça qui dans ça. Ou toujours sur antenne Radio Mégane, on peut toujours rester dans le dossier ça. Bureau avocat international des ministères commerce qui s'est compté fait avec rapport. Enquête Université Michigan, autorité au pas de faire silence sur le dossier ça. Même avec un dossier choléra, c'est le Mario Joseph. Il compare dossier ça avec la disparition cochon créole. Défenseur Douamoun, quoi, l'État a dû camper sous toute importation d'Iran d'un pays. Mario Joseph. Mais a profité occasion pour lui demander ministère commerce qui ça lui compte qui ça lui compte faire ou bien dit sous causer ça sous causer rapport université et Michigan qui dévoilé dirait qui sont aux États-Unis ni poisonné à arsenic à cadmium. Est-ce que vous comptez respecter histoire choléra ou bien est-ce qu'il y a fermé la choléra n'a fait cover-up pour blancs américains pendant le peuple a agonisé. Est-ce que ce plan structurel-là a continué après nos films détruits cochons créoles paysans, accepter, éliminer tout tarif douanier pour faciliter dirigeants américains, faire concurrence à mais par contre, ce sont des loyales à planter nous dans plein Latibonite, dans plein sud, dans plein Maribaou, en bas contrôle Nex Axam. Est-ce que prochaine étape là, c'est assassiner peuple là à manger empoisonné? Sous base à BAI, sous base principe, respect de l'amour, respect de la vie monde, et puis la santé monde. L'article 19 de la Constitution, pays d'Haïti a reconnaître. Eh bien, BAI, quoi? Ministère Commerce, Industrie, doit bailler plus d'importance à l'étude Université Michigan. Pour ça, l'État doit demander un moratoire pour l'importation du RIA. Une façon pour mener bonne enquête sous qualité du peuple haïtien à manger, à consommer. Et nous pas prêter sans faction. N'a faction, parce que ce n'est pas possible. Et sinon, lire rapport, sinon, comprendre rapport, ça veut dire nous empoisonner et son l'en mort. Choléra, nous sommes morts vite, mais du empoisonner ça, son l'en mort. Ben, il n'y a pas de croiser bras. Si nous gardons tant de titres pour moi, si le ministère du Commerce n'a pas fait rien, nous qui concerne le gouvernement n'a pas fait rien, eh bien, nous sommes meilleurs pour faire quelque chose. Et nous cherchons bonnes informations, nous travaillons pour l'IA, nous prenons un rapport, nous gardons pour nous le niveau de mortalité Jean-Baralaé, nous préparons un dossier. Donc, nous venons dire que le peuple là pour le mobiliser. Et nous ne pouvons pas mettre des structures en place pour nous, qui j'en peux faire, qui j'en peux joindre nous, et qui j'en peux pour nous rentrer dans la bataille. Parce que nous ne sommes pas d'accord pour tirer ce critère pour mourir. Et nous sommes blancs, et les États-Unis particulièrement, et Eric Somaya propose ses amis, nous, c'est lui qui fait l'élection pour nous, c'est lui qui fait tout le bagaille pour nous. Et puis, durant la caillou, il y a beaucoup de poison pour nous. Donc, l'inéalité pour nous finir avec bagaille des États-Unis, ça, qui fait notre propre abus. Nos affaires, la journalité, puis bon choix, pour moi, c'est le moment par là, pour une vraie. Groupe
400 maozoyo n'a venu avec prise des tests mais avant on nous on fait une autre tentative avec collaborateur nous John Wesley Janvier pour capable dire nous est-ce que possible pour traverser zone Kafou Marassa différent du Valio malheureusement nous pas qu'à joindre John Wesley Janvier je nous dans un auditeur n'a venu avec information ça pour dans journal là côté autorité américaine y a arrêté un ressortissant haïtien à cause li impliqué dans affaire trafic zam illégal un résident Floride condamné parce qu'il fournit illégalement zam qui sorti États-Unis by un gang haïtien qui était kidnappé 19 américains accusé en affilié à l'organisation criminelle 400 Maozo, Jocelyn Dor qui gagne 31 l'année, un citoyen haïtien résident Orlando, en Floride, condamné pour passer 60 mois à prison parce qu'il était participé dans un dispositif contrebande qui est très sophistiqué, qui te permet pour exporter au moins 24, tenter exporter au moins 24 armes à feu sur les États-Unis pour venir en Haïti et puis plusieurs centaines de munitions. Parallèlement, peine emprisonnement, juge John D. B. Tribunal première instance États-Unis condamné d'or 3 ans liberté conditionnelle d'or plaidé coupable 30 octobre 2023 pour conspiration dans l'idée pour violer loi sous réforme contrôle exploitation violation loi sous réforme contrôle exploitation avec blanchiment l'argent dans l'idée pour capable faire promotion une activité illégale spécifique selon document gouvernemental, yo 400 Maozo, c'est un gang, et puis organisation criminelle haïtienne, qui est notoire, qui est violente, qui a opéré dans la région Kouadeboukia, dans l'Est, Port-au-Prince en Haïti, à partir du 12 janvier 2020, 400 Maozo était possédé avec, enlèvement, exam, plusieurs citoyens américains en Haïti, pour, capable, joindre l'agent, dont agir comme acheteur, paille, ou bien mandataire, secret, pour 400 Maozo, sauf si 18 septembre 2021, arrivé 17 octobre 2021, il a acheté 10 fusils semi-automatiques grande puissance dans l'armurerie région Orlando sous instruction germine dans l'idée pour exprès pour expédier des armes ça au leader groupe 400 Maozo en Haïti fusils étaient destinés pour capable bagoumen une zame un fusil barrette calibre 50 c'est principalement les principalement utilisé par militaire contre engin lourd d'or faussement déclaré par vendeur monde qui vend zame c'est véritable acheteur Zam Sayo les également recevoir à plusieurs fois transfert plusieurs milliers de dollars américains dans mes complices pour capable acheter Zam Sayo FBI a été tenté arrêté d'autres 31 octobre 2021 mais il n'y a pas de joint ni d'or ni fusil grande puissance sur d'autres campé sinon ça qui est pour avec utilisation téléphone portable lui montrer les pattes au courant, force l'audio, à chercher le recherche, étonné dans Midwest, côté d'or, t'es marqué prend d'or, sous yon air repos camionneur. 5 novembre 2021, d'or, loué yon espace à stockage, dans, Orlando. 8 novembre 2021, l'imandé avec avocat pour contacter FBI, dans l'idée pour une grande tête, FBI a été possédé à l'arrestation d'or, dans le même jour ça, et puis récupérer les amis, dans l'entrepôt qui trouvait le nom Orlando, li en détention depuis arrestation octobre 2021, gang 400 Maozoa, t'est revendiqué enlèvement ces citoyens américains parmi eux 5 tibouns, un citoyen canadien qui t'est fait partie d'une organisation missionnaire qui t'a visité une orphelinat dans Port-au-Prince. Gang yo t'est exigé un rançon de millions de dollars pour chaque otage. Otage yo t'est échappé par zone 16 décembre 2021. En commencement à Nia, dans le mois juin, gang yo t'est prend en otage à deux citoyens américains étaient libérés après avoir reçu 25 000 dollars comme rançon. Dans le mois d'août 2023, gang yo t'est pris en otage, une autre citoyenne américaine était libérée après avoir fini de recevoir 50 000 dollars. Dont est initialement inculpé dans accusation qui portait date mai 2022 qui désignait co-accusé. Jolie Germine également, moun connaît son nom, yon 31 l'année, yon ressortissant haïtien ak Elian de Tunis, 45 l'année, yon citoyen américain, na, Floride, Germine, c'était roi gang 400 Maozo, étape dirige opération, depuis yon prison haïtienne, grâce avec téléphone portable, qui par contrôlé, li détenu dans pays États-Unis actuellement, Germine a été plaidé coupable 31 janvier, pour rôle dans trafic,
et dans complot trafic d'ZAM qui te permettent pour acheminer ZAM à fuir en Haïti en violation de loi américaine sur exploitation et puis pour blanchiment en rançon qui paye pour otage américain gang en 2021. Jemine capable prendre une peine maximale prison ou bien capable toute ville en prison lorsque la prison pour le condamner 15 mai qui venir là Tunis ancienne Bouboud Jemine plaidé coupable à la veille procès 17 janvier Tunis qui présentait comme reine gang 400 Maozoa, les mêmes tout capables passer toute ville en prison lorsque l'âme gain pour a condamné Yumi Kavini là. Un juge à tribunal fédéral district a déterminé peine après les fins prend en compte directive américaine dans ça qui gain pour avec en matière peine et puis l'autre facteur qui gain là-dedans. Annonce là c'est procureur Mathieu Grève qui fait pour district Columbia et puis agent spécial Jeffrey Veltri pour bureau local FBI Miami, c'est ambassade américaine qui soutient communiquer ça dans le cadre dossier ça qui vient à pays États-Unis.